Bonjour à toi qui es en train de regarder cette vidéo. Accroche-toi bien parce que tu es en train de regarder la première vidéo de la série Créer un revenu passif en 3 vidéos. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on trouve une idée, un thème rentable d'e-book. Donc, il y a deux choses primordiales à respecter quand vous choisissez le thème de votre e-book. Le premier, c'est que votre thème doit partir d'un besoin profond que rencontre la société. Ça peut être le besoin de perdre du poids, ça peut être le besoin de moins stresser, ça peut être le besoin de mieux dormir. Donc ça doit partir d'un besoin profond qui soit assez profond justement pour que les gens cherchent des solutions sur Internet chaque mois. Donc pour savoir si c'est un besoin profond ou pas, vous pouvez aller sur plusieurs outils. Par exemple, vous pouvez aller sur, il me semble, Google Trend ou Google AdWords. Et vous tapez votre mot-clé et vous allez avoir le volume de recherche par mois. Donc ça peut être un indicateur pour savoir si votre thème est rentable ou non. Donc la première chose, c'est de partir d'un besoin profond. Si vous écrivez un e-book, Attendez, laissez-moi trouver un exemple. Non mais en fait je trouve pas d'exemple. Mais par exemple, comment avoir un bon potager, un joli potager, eh bien en fait c'est pas un besoin qui est profond. C'est un besoin, donc vous allez avoir une niche, mais c'est pas quelque chose qui est hyper profond et qui est hyper recherché par rapport à comment moins stresser chaque jour, vous voyez? Après c'est à vous d'adapter, il y a aussi des thèmes de niche comme le potager qui se vendent très bien. Donc la première chose c'est que vous devez partir d'un besoin profond auquel vous allez apporter différentes solutions. La deuxième chose, c'est que ce besoin doit être intemporel. Pourquoi ? Parce que vous allez écrire un e-book, vous allez le mettre sur Amazon Kindle Direct Publishing ou sur n'importe quelle autre plateforme d'auto-édition. Mais si votre besoin, c'est un besoin actuel et que dans 5 ans, ce besoin-là aura disparu, eh bien, la date de validité de votre e-book sera de 5 ans. C'est-à-dire que dans 5 ans, il n'y a plus personne qui achètera votre e-book. Et le but, c'est de se créer un revenu passif récurrent. Donc, vous devez partir d'un besoin qui est intemporel. Donc ça c'est vraiment les deux choses les plus importantes. Donc cherchez des idées, mettez à plat vos idées et demandez-vous si est-ce que c'est un besoin profond. Et est-ce que si j'avais ce problème-là, je serais capable d'acheter un livre pour résoudre ce problème-là. Et deuxième chose, est-ce que ce problème-là va être valable dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans? Posez-vous ces deux questions, c'est vraiment ultra important. Et si vous avez vraiment du mal à trouver une idée d'e-book rentable, je vous invite à vous rendre dans la description. J'ai juste récupéré ma feuille. J'ai créé pour vous un pack Business Pro gratuit. Donc un pack avec 3 cadeaux spécialement pour vous. Et un des cadeaux, c'est un guide avec 5 uniques thèmes rentables pour des formations, des blogs et des e-books en 2019. Donc si vraiment vous n'avez aucune solution, allez dans la description, téléchargez le pack Business Pro, c'est quelque chose qui est totalement gratuit et comme ça vous aurez directement des thèmes rentables. Donc ça c'était la première vidéo de la série Créer un revenu passif en 3 vidéos. Dans la seconde vidéo, on va s'attaquer au plan d'action pour créer un e-book en moins d'1 mois. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo.